Monsieur Provost, votre ami, notre frère, mes chers frères, le Nanata, messieurs les responsables de l'UFDG, militants et militants de l'UFDG, sages de l'UFDG, messieurs les journalistes, messieurs de la section motard Serra et Taber, les communicants de l'UFDG, chers amis de la Guinée, je voudrais ici et maintenant vous transmettre les salutations de notre président et la cellule d'Alain Diallo qui est à Abidjan. Mais je voudrais passer un message à Bogos. Il doit transmettre à nos partis alliés les dire que nous sommes fiers de cette alliance. Nous sommes fiers de leur engagement, mais nous sommes surtout fiers des résultats obtenus. Nous avons signé avec plus de 30 partis politiques. Nos amis se sont engagés. Ils ont accepté de créer une alliance, mais aussi se mettre à la disposition du président Sélou avec un seul objectif, faire de lui le président de la Guinée. Ils l'ont démontré suffisamment. Ceux qui ont suivi la tournée du président Sélou d'Alain Diallo, à partir d'abord du Mar de Kenya, du Mam, du Malala, de Farana, de Kissidou, de Kikidou, de Zélikouli, de Monsanta, de Lola, de Béina. La réception qui a été réservée au président Sélou n'a jamais été réservée pour un leader. Non seulement ils ont travaillé, ils ont fait des portes à porte, mais croyez-moi qu'aujourd'hui, si l'élection devait être organisée simplement en forêt et en Haute-Guinée, l'UFDG, le président Sélou de cette alliance, allait écraser complètement le candidat de l'UFDG. Au nom donc des militants du président, monsieur le président Bogos et à tous mes frères ici présents, nous vous remercions très sincèrement. Nous avons depuis un moment constaté que le président Alpha Condé était plutôt resté au palais du peuple et il intervenait par visioconférence. Il a envoyé sur le terrain les ministres. Il a mis sur le terrain les partis alliés. Il a dépassé des milliards. Il s'est dit, certainement, je vais gagner ces élections avec les ministres. Quand lui-même, on avait attiré l'attention de M. Alpha Condé de faire attention à ces aux gens de Côte-Nord. Des gens qui ont crié et qui sont venus à côté de lui en disant qu'ils sont capables. La majeure partie des gens de Côte-Nord n'ont de parti que de nom, n'ont pas de militants. Ils ne peuvent rien apporter à M. Alpha Condé. Ils en ont profité pour se remplir des poches, leurs poches. M. Alpha Condé vient de créer un problème grave dans ce pays. Parce que ce qu'il a dépensé pour ces élections, personne ne peut connaître le montant. Parce que chacun de ces gens-là, ils ont reçu des milliards. Et ils avaient comme engagement, quand je suis à Pita, ils appellent Alpha Condé pour dire non, tout Pita est pour toi. Quand ils se retrouvent à Koundara, ils disent, tu as vu des images, parce que la stratégie c'était de sortir des enfants, les fonctionnaires, habiller les militaires en civil, fermer les écoles, prendre de l'argent, aller dans les villages, ramasser des gens qui ne sont même pas des militants, donner des t-shirts, proposer 50 000 et prendre des images envoyées à M. Alpha Condé. Parce que c'était le prix à payer.
Vous avez vu la réaction des gens de Bungara. Aujourd'hui, pour l'ensemble des Guinéens, M. Akpakoné, c'est terminé. Je n'ai jamais vu de ma vie un président aussi rigide. Le président Bobos, quand il a parlé tout à l'heure, j'ai dit à Ousmane, j'ai dit, mais il a fait mon discours. Tellement que c'était très clair. Je ne veux plus revenir tout ce que vous avez dit. Alors, je vais vous informer. Je ne sais pas comment il va faire. Il va aussi prendre l'avion. Le président Alpha Condé a décidé, puisque les ministres, les gens du Konono, n'arrivent pas à la cheville du président Sédou, il décide de sortir et aller sur le terrain à une semaine des élections. C'est grave parce que là, je pense qu'il a perdu du temps. Le président Sédou d'aller m'a envoyé un message que je vais vous livrer. Impressionné par les marées humaines qui m'ont accueilli à Parana et à région forestière, en voulant à tout prix prouver qu'il est encore apte pour la fonction présidentielle, Alpha se résout à sortir de son palais, évitant soigneusement d'emprunter les routes de l'impossible. Il prendra son hélicoptère pour démarrer ce qui est tout à l'heure d'être un bye-bye de dernier bye-bye par rapport à la Guinée. Quelques Guinéens sortiront pour lui dire au revoir. D'autres resteront à la maison pour prier pour son départ. Tous sont conscients qu'on ne peut effacer en 7 jours de campagne 10 ans de mauvaise gouvernance. Le 18 octobre, votez massivement pour l'alternance et pour tourner définitivement la page douloureuse du règne d'Alpha Condé. Voilà le message du président Sédou quand il a appris que M. Alpha Condé veut sortir de son palais pour aller faire la campagne. Mais je pense que c'est terminé, c'est peine perdue. Mais là où je suis content, c'est qu'il va se rendre compte de la réalité. Parce que ses ministres n'ont pas été reçus. Lui, il va sortir, il va se rendre compte lui-même qu'il n'est plus populaire, qu'il est rejeté. Je suis plutôt convaincu que lorsqu'il sera à Zéribouri, il va demander à Sédou d'arrêter cette élection. Il va reconnaître son échec, comme ça, purement et simplement, nous allons arrêter cette élection. Parce que je vais vous dire, si j'étais à Zéribouri, j'aurais demandé purement au président Sédou d'arrêter la campagne, prendre l'avion, plutôt prendre la route, retourner à Conakry, parce que vraiment le match est terminé. Quand le match est terminé, là. Pour parler de Alpha Condé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Il y a un journaliste qui est en train de me regarder, je ne dis pas son nom. Mais, Madame Ba et Bobos ont parlé des promesses de M. Alpha Condé. M. Alpha Condé n'a pas le bilan. Le bilan est catastrophique. Le bilan n'est pas à sa faveur. Pendant 10 ans, ce monsieur a passé toute sa vie à tenir des promesses. Je voudrais que vous comptiez avec moi. Aéroport international à Mafereya. Et vous comptez. Route 4x4 entre Conakry et Bamako. Un chemin de fer entre Conakry et Bobo-Dioulasso. Chaque étudiant, une tablette. Chaque tailleur, une machine. Construction de 4 universités. Transformation de la ville de Koya en une ville américaine. Construction d'une usine de montage de camions. Construction d'une usine de cahiers. Construction d'une usine de biscuits.
Construction d'une usine de bonbons. Construction de 4 usines de pommes de terre à Tilimalina. Construction d'une usine d'alcool. Construction d'une usine de tablettes. Construction d'une usine de fruits. Construction d'une usine de transformation de folio. Construction d'une usine de poissons. Construction d'une usine de vaches. On va mettre le bébé dans le ventre de sa maman. Construction d'une usine de montage de tracteurs. Construction d'une usine de tomates. Construction d'une usine de canne à sucre. Construction d'une usine de transformation du coton à Sibiri. Construction d'une usine d'engrais et d'aliments de bétail. Construction d'un tour de contrôle pour l'atterrissage désormais des avions à Farana. Construction d'une usine de sucre dans la sous-préfecture de Banga. Construction d'une usine de pommes de terre. Construction de logements sociaux à Kobaya. Construction d'une usine de fabrication d'une usine militaire. Entre 7 à 8 millions d'emplois. La mise en ligne de la compagnie Air Guinée. Construction d'une usine de Maggi. Mais pas de Maggi de mauvaise qualité. Hein. Mais pas Maggi. Parce que Maggi n'a fait pas le vent. Qu'est-ce qu'on a fait? Un président de la République qui a été incapable pendant 10 ans de respecter ses engagements. Quand on demande le bilan de Jean-Paco de moi, je ne sais pas ce que. Des milliards ont été investis dans l'électricité. Incapable de donner l'électricité à Conakry. 24 sur 24. Je ne parle pas de l'intérêt du pays. Le seul problème que j'ai encore dit, c'est simple. Quand il se lève le matin, c'est vrai. Quand il se bouge, c'est vrai. Quand il a des problèmes, c'est vrai. Je pensais honnêtement qu'un président de la République doit se comparer à un président de la République. Si M. Alpha Condé comparait son bilan à celui de danse à la compter, on l'aurait compris. Mais il s'entoure de la moitié des membres du gouvernement de danse à la compter sont à côté de lui. Et il pense que c'est pas danse à la compter, c'est pas ceux qui sont à côté de lui, c'est ceux de lui. Il engage des milliards, il fait des audits, incapable de confondre, parce qu'il n'a aucune plus. Mais sa préoccupation, c'est celle-là. Son projet de société, c'est celle-là. C'est celle-là. Mais je vais vous dire ce que celle-là va faire. Quand il sera président. La première chose, je vous le dis clairement ici, après avoir fini de reconsidérer, celle-là va respecter Alpha Condé. Il va reconsidérer comme un ancien président. Ses droits seront respectés, sa famille sera respectée, et nous allons l'accorder le plus grand respect dû à son âme. S'il a peur de ça, nous voulons le recevoir. Nous allons redonner la dignité à la famille du président d'Assemblée. Il a été président de la Guinée. Il n'est pas là. La première dame est décédée. Mais il a des enfants. Nous allons honorer la famille du président d'Assemblée. Si vous êtes un président, il n'y aura pas de vengeance dans ce pays. Si vous êtes un président, il n'y aura pas d'injustice. Président, si vous êtes un président, les Guinéens seront traités sur le même pied d'égalité. Si vous êtes un président, on ne parlera plus d'ethnie dans ce pays. Si vous êtes un président, nous allons créer
l'emploi. Rassurez les Guinéens. Si vous êtes un président, aucun Guinéen n'aura faim. Si vous êtes un président, les journalistes seront dans leurs droits, ils seront respectés. Si vous êtes un président, nous allons créer de l'emploi. Si vous êtes un président, nous n'avons pas tenu de promesses que nous n'avons pas faites. Aujourd'hui, la situation est claire. Vous avez vu les résultats. Ce que nous demandons est humblement à la CENI d'accepter pour deux fois d'organiser une élection transparente pour ne pas mettre le pays en danger. Parce que c'est devant l'injustice qu'il n'y a pas de paix. Nous demandons à la Cour constitutionnelle d'accepter d'être juste. Parce que cette élection, elle est importante. Nous allons demander aux forces de défense et de sécurité. Nous les respectons. Ils ont défendu l'Afrique. C'est des hommes d'honneur. Nous ne voulons pas voir les forces de défense dans cette élection en train d'aller de bureau en bureau pour dire nous sommes en train de voter pour nos amis de Kidal. Ce n'est pas bien. Mettez-vous à l'écart. Si vous devez voter, votez. Mais ne passez pas dans plusieurs bureaux. Comme ça, vous décidez, vous animez, vous effrayez les gens. Vous rentrez dans une salle, 500 personnes, vous votez pour 500 personnes pour dire que vos amis sont à Kidal. Mettez-vous en dehors de ce processus. Nous vous respectons. Si vous êtes président, vos dignités, je dis encore, nos forces de défense et de sécurité seront respectées, seront traitées convenablement parce que c'est eux qui doivent assurer la sécurité du pays. Les forces de défense et leurs familles. Je voudrais encore vous dire, vous autres, nos militants, cette élection elle est tellement importante que le monde entier nous regarde. Les gens du RPG aujourd'hui ont peur. Ce qu'ils veulent, c'est la provocation. Refusez la provocation. Ne répondez pas aux injures. Même si quelqu'un vous gifle d'ici le 18 octobre, ne répondez pas. Parce que si vous répondez, vous créez des problèmes. C'est important cette élection, elle est importante. Allez chercher vos candidats. Le jour du vote, allez voter. Restez devant les bureaux de vote. Sécurisez le vote. Le reste, c'est de notre responsabilité à nous. Vous n'avez qu'à voter. Croyez-moi que nous allons nous battre. Nous avons déjà mobilisé 32 000 personnes qui seront dans les bureaux de vote. Nous aurons les résultats des procès-verbaux. Nous avons notre centralisation. Nous allons compiler nos résultats. Bon, vous savez, dès qu'on nous sommes à 3 millions. Parce que ce qui est grave, c'est de dire j'ai gagné quand tu n'as pas la preuve. Quand nous aurons la preuve qu'on a déjà dépassé les 50%, croyez-moi que vous serez au courant. Et lorsqu'on va vous dire que celui qui a gagné, ne faites pas de doute là-dessus. Personne, nous n'accepterons pas que les Guinéens votent pour nous et que vous votiez pour nous et que quelqu'un ne puisse se voir. Nous voulons la paix, mais pour la paix, il faut payer le prix. Le prix de la paix, c'est la justice. L'arbitraire est contraire à la paix. Nous avons dit, nous sommes des démocrates. C'est que si nous acceptons en 2010, 44% de son adversaire avait 18%. Nous sommes restés pendant 4 mois sans que les élections ne soient organisées. Pour la paix, il a accepté.
En 2010, en 2015, on sait comment les élections ont été organisées dans ce pays. Nous sommes en 2020. 2020, logiquement, M. Alpaco ne devait même pas être candidat. Il a forcé la situation. Il a organisé son double scrutin. Parce que le candidat illégitime dans cette élection, c'est M. Alpaco. Mais heureusement, heureusement, qu'il a été candidat. Il s'est rendu compte que son bilan n'est pas en sa faveur. Mais il ne faut pas gâter ça. Ne provoquez personne, n'insultez personne, ne dérangez personne. Nous allons faire la campagne civilisée. Vous ne verrez pas des montants dans la rue, non. Nous voulons rien de tout ça. Ce que nous voulons, c'est d'aller voter et sécuriser le vote. Je vous garantis que nous sommes capables de gagner cette élection dès le premier tour. Et je suis encore convaincu comme la mort que M. Alpha Condé lui-même s'est rendu compte qu'il ne peut pas gagner ses élections. Parce que je ne sais pas, quand je me couche, j'imagine, mes chers amis, comment Alpha Condé peut s'arrêter devant les Guinéens qui ont été témoins de la campagne, qui ont été témoins de tout ce qui s'est passé, qui ont été témoins de toute cette mobilisation, parce qu'aujourd'hui il est rejeté. Comment il peut avoir le courage de dire devant les Guinéens qu'il a gagné? Comment il va faire? Comment il va faire? Je dis encore et je répète qu'il accepte de partir tranquillement par la grande porte. Il a 40 ans de combat, il a 10 ans de pouvoir, il a 85 ans. Ce que nous souhaitons pour lui, c'est une sortie honorable. Nous, nous ne sommes pas contre Alpha Condé, nous ne sommes pas contre la personne d'Alpha. Nous sommes contre les politiques, la politique de Alpha Condé et des pyromanes et des opportunistes. Et des militants de la 25e heure, ils sont à côté de lui, ils sont en train de s'enrichir sur le bien, sur le dos de l'ensemble des Guinéens. Ce sont eux les ennemis de la Guinée. Mais Alpha Condé est président, il a fait ce qu'il pouvait faire, il a 85 ans. Je ne sais même pas comment quelqu'un qui a 85 ans va vouloir être encore président pour un mandat de 6 ans. Ce que tu n'as pas pu faire quand tu n'avais pas 85 ans, il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire? Tu vas faire 85 ans, 85 ans. 85 ans, tu dois te reposer. Prier Dieu. Préparer le jour où tu vas rencontrer le Tout-Puissant. Tu ne peux pas te mettre dans une élection à 85 ans. C'est le dernier. S'il est président, croyez-moi, qu'il va respecter la constitution et qu'il ne fera pas plus demain. Donc, le samedi prochain, il n'y a pas d'assemblée. Il faut aller voter. Il faut aller voter. Je veux vous dire, les candidats, ils sont tous des candidats. Vous devez voter, ce n'est pas compliqué. Vous votez devant le nom du président secrétaire, devant son nom. Ici là. Là où c'est, là où il y a le temps, vous votez. Vous cochez. Vous ne vous occupez pas des autres candidats. N'écrivez rien à côté de ces candidats. Même si vous êtes fâché contre eux, ne touchez pas à leur photo. Parce que si vous touchez à ça, vous avez annulé votre vote. Si on y a eu votre vote, on doit pas être similaire. On a là-bas, on a un niveau, on a un niveau, on voit là, croire, yes, on va. Il y a un acte, tu as 8 litons, tu as 8 marabouts, tu as 8 fouilles, on gagne. Alors, côté là,
ali voté celui candidat d'homme à mon toi à la ma cuisine à mon gamma on a ce qu'a voté au ciel le photo fait on voit ça à photo ya ya ta vie n'a pas les candidats on est le bas d'un donc ça veut dire prochain assemblée mouna à la qui en a mis à qui voit tu es n'est pas mon nom à l'université de la République présente merci à bientôt.